chers et chers initiés, aujourd'hui on va vous présenter l'acte 1, c'est une des fourberies de Scapin par mes amis Anas Maash et Youssef Sadir. On espère que vous passez un bon moment avec nous. Je les laisse prendre leur relève. Merci. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens si fait t'apprendre au port que mon père vient. Oui. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin. Et qu'il arrive à la résolution, dans la résolution de mon mari. Oui. Avec une fille du Seigneur Jérôme. Du Seigneur Jérôme. Et qu'il s'est fait amender de ta rente. Et c'est pour cela. Oui. Et tu cherches le fait de mon oncle. Tout. À qui mon père les a mandés par l'autre. Par lui. Et cet oncle tissu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, à part si je veux, ne te fais pas de la sorte arracher le mot de la bouche. Et j'ai parlé davantage. Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, dis-moi, mais tu sais que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je me trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin que l'on me conseille moi-même. Je suis assassiné par ce mot de retour. Je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je veux voir fondre sur moi un oral d'impétueuse réprimande. Les réprimandes ne sont rien. Et plus on sait que j'en fais ce qui est à ce prix. Mais j'ai bien la mine. Pour moi de payer plus cher que vos folies. Et je vois de loin se former un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh ciel, par où sortir de l'ombre, je me trouve. C'est à quoi vous devez songer avant que vous y jetez. Tu me fais mourir par tes laissances de 16 ans. Vous faites plus bien mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remettre au courir? Merci pour votre attention et j'espère bien que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci.